Là, si je mets à 55. Est en légère diminution. Il faudrait que je descende d'au moins 2. Ouais, mais je pense qu'il faut vraiment jouer avec ces graphiques-là, parce qu'ils donnent beaucoup d'infos. Là, il faudrait que je repasse à 54. 54-40 peut-être. Ouais, c'est trop cher. 53-60. Là, ça me semble pas mal. Mais bon, après, voilà, faut corréler plein de choses. Peut-être l'augmenter un tout petit peu. Là, le prix de vente a bien diminué. On voit que sur la durée, c'était vraiment pas terrible. Ouais, faut racheter des terrains plus près des villes pour gagner des coûts de transport, mais pour l'instant, je suis pas à ce niveau-là en fait pour l'instant. Les ventes baissent un petit peu ici. La banque met l'économie dans le pétrin. Bah, bravo. Alors, est-ce que tout passer en qualité 100, ça aurait une bonne influence sur les ventes? J'en vends pas plus. Je vais essayer d'écouler mon stock un peu là. Le nombre de ventes a pas diminué. Bizarre que je mette aussi cher et que le bénéfice soit. J'ai trop d'unités en stock là en fait. Beaucoup trop. Et je me focalise sur les voilà, les grosses demandes. Les grosses demandes, parce que là il y a la bonne qualité. La qualité évolue pas terrible. Salut Lisa! Comment vas-tu? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter de produire et on va vider le stock. Là, c'est celui qui est déjà à 58.
Vendu par rapport à la demande propre est pas trop mal. Ça va bien, Lisa, merci. Je retrouve un jeu que j'avais joué pendant pas mal de temps, qui est vraiment pas mal, qui est assez compliqué. On a déjà perdu une partie ce matin. On est dans le bon positif là. Un petit peu cher. En fait, il faut que les vendus soient égaux à la demande propre, grosso modo. Ouais, il est pas mal dur ce jeu. Ouais, c'est celui dont je parlais hier, ouais. Là, on n'est pas trop mal, on reste un poil cher. C'est pareil, ça doit être un poil cher. On essaye de vider un peu tout ce qu'on a en stock. Et préparer la suite. Donc là, il nous manque l'usine chimique. Plastique et caoutchouc. Non, l'usine chimique a été bloquée. Plastique et caoutchouc. Hop. Voilà. C'est beaucoup de trade, ouais, et puis de la gestion de lignes de production, d'usines, de recherche, etc. Pas mal de choses à faire là-dessus. Pétrole. Main-d'œuvre. Coût de la chaîne. Oui, c'est normal, Akia, je t'ai répondu tout. Ah oui, c'est vrai que c'est pendant que ça avait planté. Oui, c'est normal. C'est normal. Je peux l'enlever si vous voulez. Faut me dire. Peu importe. On vide un peu le stock. Ok, nice. On va commencer à setup. On commence à setup les systèmes intégrés. Donc pour les systèmes intégrés, il nous faut de l'aluminium et du plastique. Ok. Donc l'aluminium, c'est assez simple. Il nous faut une mine. Pour le plastique, il nous faut un puits de pétrole et le pétrole qui sera raffiné en plastique. Ok. Voilà, et là on va l'arrêter. Eux, ils ont poussé. Donc ici, on va extraire du pétrole. Et on va l'envoyer dans notre entrepôt. Ok. Et ici. Pardon. On va chercher de l'aluminium. Voilà. Et voilà. Donc on est presque bon, mais il nous faut transformer notre pétrole en
Notre pétrole en plastique, pour ça, il faut le raffiner. Voilà. Et ensuite, il faudra le transformer dans une usine chimique. On va faire ça juste à côté. Bon, là, on investit pas mal d'argent. Ici, on va faire venir du pétrole pour le transformer en polymère. Et ensuite, on renvoie les polymères dans l'entrepôt. Ok. Dépêche-toi. Et ensuite, depuis notre entrepôt, ici, on va créer du plastique. Alors pour ça, il faut l'améliorer. On crée du plastique. Quantité max pour l'instant. On ramène des produits, des polymères, et on ressort du plastique. Et ici, enfin, on va produire tout ça, et on va lui dire, tu me fais venir de l'entrepôt du plastique et de l'aluminium, et tu me feras sortir des systèmes intégrés. Voilà. Donc là, on produit des systèmes intégrés pour l'instant. On va aller vendre tout ça pour éviter d'être en faillite. Le système intégré, on va le vendre 210. Beaucoup trop cher. C'est bien sûr beaucoup trop cher. 170. Cent cinquante-sept. 137. 133. Ok. Donc on est à peu près aux alentours de 133 €. Rajouter tout ça. Ici. Dans tous nos magasins. Donc là, on a fait un gros investissement, hein. Ça nous a coûté 8 millions d'euros. Grosso modo. Voilà, on est en positif. Maintenant, on va faire les réglages. Alors, en gros, mon aluminium et mon polymère, j'en produis pas assez. Donc, c'est mon polymère, ma ressource limitante. En fait, c'est mon pétrole. Ça coûterait pas moins cher de transporter entre usines sans passer par les entrepôts? On peut pas, Mathieu. On peut pas le faire. Malheureusement, le jeu est pas aussi poussé. Et ça veut. C'est pas exactement possible en fait pour l'instant. Mais ce serait une bonne idée. Donc en gros, c'est mon aluminium qui bloque tout. Mon aluminium. J'en produis 99,67.
Ça produit 99,67. Et c'est une matière directe. Donc là, faut que je diminue ma production parce que j'en ai beaucoup trop. 99, donc ça fait 100, faut que j'aie mis ma production par 30. Grosso modo. Grosso modo. Non, j'ai encore trop. C'est peut-être 44. Ah non, ça va être 33. 33, je suis bon. 33, ça me fait 62,49. Ok, donc on va optimiser tout ça. Donc 62,49. Donc ça veut dire que dans ma mine, il faut que j'en sorte que 62,49. On va en sortir 64,79. Ça, c'est bon. Ce qui me permet de virer 12 personnes. 14. Ah, cette partie-là, elle est optimisée. Donc là, je suis bon. Ensuite, les plastiques, il m'en faut 41,66. Ok. Donc, il faut que ça... j'avais beaucoup trop. Ah, c'est 337. Voilà, fait ça. Ce qui me permet ici de virer 11 personnes. Et du coup, de n'avoir besoin que de 111 ici. Donc on va s'approcher du 111. Donc on va faire 180. Du coup, je n'ai besoin de pétrole que de 205,12. Ici. Donc ce sera 208,69. Ici, je peux virer le surplus d'employés. Là aussi. Et ici, je peux rallumer ma chaîne de prod comme ça. C'est quoi ce moins 60 000? Ok. Et voilà. Et donc là, on a équilibré la prod et on récupère 12 000 par jour en argent. Ce qui est bien sûr le but d'un jeu de gestion industrielle. Sauf quand on perd de l'argent ensuite. Ah, j'ai l'inoccupé. Alors. Faut que je baisse la prod de ça. Voilà. Et là, tous les employés. Ça dégage. Normalement, on devrait être mieux après. Ça, j'en produis pas assez. Ça, je suis un peu trop cher, je pense.
La qualité, elle a combien? Les employés en grève. Ok, on va baisser les coûts de chaîne de production. Par contre, ici, il va falloir faire des recherches. Ça, je vais l'enlever. Sur la mine, on va devoir rechercher la main-d'œuvre pour augmenter la production de nos systèmes. Faudra rééquilibrer encore une fois. Mais ça sera pas trop mal. Je vais augmenter les prix. Parce que j'en vends trop. J'en produirai pour l'instant pas plus, donc autant augmenter les prix. Baisser un tout petit peu. C'est un tout petit peu les prix. Voilà. Grosso modo, on est bon. Main d'œuvre recherche terminée. Qualité de prod. Alors, ici je peux en produire beaucoup plus par jour. Donc je suis à 200 de production d'aluminium. Donc l'alu, j'en produis quasiment 200. C'est-à-dire que je peux augmenter cette chaîne-là pour produire plus. Là, je consomme combien? 60, je fais x 3,5, grosso modo. Donc ça fait 120. Donc, on va faire 133. Je sais pas, c'est pas le bon produit dans le Mac 3 que tu as modifié les prix. C'est le premier. Alors bouge pas, je vais vérifier ça. Merci de l'info. Ah oui! Merci de l'info. En plus, j'ai même pas mis à vendre. 58. Merci beaucoup de l'info. En plus, elle est même pas à vendre. Voilà. Merci pour tout. Alors, j'en produis que 200, il faudrait que je diminue d'un quart, donc il faudrait que je descende la production pour 4 personnes. Descendre à 3 personnes en prod. On est bon, on va en stocker un petit peu pour l'instant. Et il me faudra 120 de plastique, donc pour l'instant c'est bon. J'ai ce qu'il faut. J'ai un employé inoccupé, mais c'est pas très grave. Donc là, l'argent remonte parce que j'en produis plus. Mais on va en produire encore plus, bien sûr. Avec des coûts plus réduits. Donc là, il va falloir s'occuper de faire la recherche sur tout ça. Mais alors.
ça. Je vais faire une recherche d'entreprise, je vais diminuer la durée des recherches. Il faudra faire ces recherches-là aussi pour diminuer tous les coûts en fait. On va faire les recherches générales. Pouvoir un peu évoluer. Là, j'ai pas spécialement besoin pour l'instant. J'augmente encore les prix. Tout simplement parce que j'ai pas d'unité en stock. Là c'est pareil, on peut augmenter les prix. J'en stocke pas. Stock pas, c'est que c'est pas assez cher. Voilà, on commence à en restocker. C'est peut-être un peu cher ici. Voilà, on est à l'équilibre. Là, c'est pareil. On va lui remettre un petit peu de flouze dans le nez. Mais 10 dollars. 10 dollars. Ok, ça c'est bon, le stock il dégage bien. L'usine de produits chimiques, elle produit beaucoup trop. Voilà, je fais ça pour réduire la durée des recherches. Pour qu'on soit pas mal, pour que ça aille plus vite sur les recherches, parce que c'est un peu long. Date limite de fin de Paris, victoire, arrête. Yeah. Pour une fin de Paris, slash victoire, où c'est le joueur qui arrête quand il a tout fait. Non, il y a des conditions de victoire. Tu peux acheter tous les terrains, couler la concurrence. Le premier qui recherche toutes les technologies, qui a construit au moins un bâtiment de chaque exemplaire, etc. etc. Il y a plusieurs conditions de victoire. Bien, j'en profite pour vous rappeler que si vous n'êtes pas follower de la chaîne, et ben c'est pas bien. À cause de vous, des petites coccinelles dans le monde meurent. Donc pensez à laisser un petit follow et ça permettra à des coccinelles de vivre. Voilà. Donc pensez à la nature, tout ça, et pensez bien sûr à mon soutien, ça ne vous coûte rien. Et ça vous permet en plus de me retrouver en live très facilement. Et en plus, en dessous de la chaîne Twitch, vous avez toutes les infos. Vous avez le Facebook, le Twitter, le YouTube, il y a tout ce qu'il faut. Et Akia n'aime pas les coccinelles, donc jetez-lui des cailloux. C'est quand même les plus petites bêtes les plus inoffensives du monde. Donc il faut jeter des petits cailloux à Akia, parce qu'elle le mérite. Tout le monde aime les coccinelles normalement, hein, les personnes normalement constituées. N'est-ce pas Akia ? Je sais pas qui en a une, il était venu sur ma main, j'étais en primaire, attends, bref, je regardais. Et ça a commencé à me piquer.
Ouais, alors Akira, une coquille qui pique. Un collet jaune dans la main. Oh, elle t'a épicé dessus, ça. Elle t'avait épicé dessus. La coccinelle t'avait mordu et chié dessus. Coccinelle, ça ne mord pas. Enfin, qu'est-ce que tu veux qu'elle te morde? Si. Très bien. Hop, baisser le prix du salaire des employés. Voilà. Ça, c'est bien les coccinelles, moi j'aime bien. C'est gentil comme tout. On va rajouter un employé. Voilà. Zbim. Zbim, zbim, zbim. Oui, Akia, tout à fait. Alors, on va peut-être pouvoir. J'aimerais bien terminer ces recherches-là, mais c'est long. C'est long de ouf. Surtout quand c'est en pause, c'est long en fait. Mais bon. Bien. Bah écoutez. On va s'arrêter là pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous a plu. Moi, c'est un jeu que j'affectionne particulièrement parce qu'il y a pas mal de gestion dedans. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sur plein de choses, sur les ressources, sur les prix, etc. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de matinée. Je vais aller manger. Et on se retrouvera peut-être cet après-midi pour autre chose. N'hésitez pas à lâcher un petit follow si ce n'est pas déjà fait. Allez vous abonner sur YouTube. C'était Ledes. À tout à l'heure. Ciao. Bisous. Kiss kiss, love.